Et
intéresser, se poser, qui pose tant de problèmes au fascisme. Quel était ce projet de société qui a généré, ou va générer en 1936, un coup d'État militaire. La Seconde République existe par 1931 à 1939. Digamos que la Seconde République nace el 14 de abril de 1931. Es un proyecto de Estado, es una república que, digamos, culmina la revolución liberal del 19. Entonces, insisto sobre este punto, la Segunda República Española, proclamada en 1931, est la culmination de la révolution libérale. C'est une révolution bourgeoise. C'est une révolution bourgeoise. Cette révolution va s'opérer en trois temps. Pour la première partie, entre 1931 et 1933, qui est la formation du gouvernement d'izquierda. Avec de profondes réformes sociales. Et puis un deuxième temps qui va de 1934 à 1936, qui est l'instauration d'un gouvernement de droite, dans une république, d'un gouvernement de droite, qui va intenter freiner la réforme de la première partie. Donc on a un gouvernement de gauche qui va implanter des réformes sociales entre 1931 et 1933, des réformes importantes, selon le modèle de la révolution de droite, et puis on a un gouvernement de droite qui va essayer entre 1934 et 1936 de freiner toutes ces réformes. Et puis, en 1936-39, la instauration de lo que llamamos el Frente Popular, c'est un front de gauche qui gagne les élections législatives. Se proclama un Frente Popular, de même, de la même manière que se proclama un Frente Popular en France, c'est la même chose qu'en France à la même époque, la même année, l'existence en France d'un Front Populaire incarné par le Blum. Con una aceleración de las reformas sociales realizadas entre 31 y 36, reformas que dan lugar, se reforman muy difíciles sobre el Estado. Entonces, la Segunda República, ¿c'est quoi? C'est une période qui va de 1931 à 1936, avec trois gouvernements. Un premier gouvernement légitimement élu qui forme une république sur laquelle, monsieur, je vous demandais de m'enlever votre téléphone de votre portée, merci, par respect des lois, je ne veux rien savoir, mais oui, mais moi je ne viens pas, je n'utilise pas mon téléphone pour faire tour, si demain j'utilise mon téléphone pour faire tour, ça pourrait poser des problèmes. 1931-1933, donc, s'instaure une république, s'instaure un gouvernement de gauche qui met en place des réformes. 34-36, un gouvernement de droite d'essayer de les freiner. 36, on va accélérer ces réformes. Et bingo, 36, juillet 36, coup d'état militaire, retour en arrière. C'est ça. Alors, en effet, pour la Seconde République, c'est un élément fondamental. Est-ce nace de las urnas. Es un proyecto democrático. Unas elecciones celebradas en 1931, elecciones
C'est un suffrage universel, les femmes ne votent pas encore. Donc, nombre au vote que les hommes âgés de plus de 25 ans. Ce vote exprime 67% une majorité pour une gouvernance. Donc, le roi abdique et, eh bien, se met en place un gouvernement, un gouvernement préparatoire qui va conformer un état nouveau, une république, donc sans la tutelle, sin la tutela de la monarchie. Entonces, fecha importante, el 14 de abril de 1931, se proclama la creación de la Segunda República. Una Segunda República que nace démocratiquement. Il n'y a pas de Vincent, il n'y a pas de révolte, il y a l'acceptation de la part du militaire, de la part de la monarchie, que eh bien, la majorité des Espagnols, 70% des hommes, souhaitent une république et l'instauration d'un régime libéral. C'est bon ? El primer presidente que se llamará Niceto Alcalá Zamora y hay un contexto de agitación popular. Es decir que bien es verdad que la Segunda República nace sin violencia, hay una tendencia a la agitación popular. Principalmente por parte de los radicales y de izquierdas y de los anarquistas, lo que llamamos los anticlericales. A pesar de ello, se proclama en 1931 una nueva constitución que garantiza la separación de los poderes, según la norma del Estado Liberal, y que también, hecho importante y novedoso para España, proclama la separación de los poderes entre la Iglesia y el Estado. También es importante que uno pueda dedicar laico. Es la proclamación de un Estado laico, dans lequel le clergé n'a plus rien à jouer, du moins dans la sortie. Et, si bien nous avons l'élément de Weimar, la constitution d'Espagne, intenta garantir las libertades individuelles, ce dont on apparaît ce matin dans les textes. Donc c'est une constitution progressiste et libérale. Establece 15 ans avant la France, au printemps 1944, establece pour la première fois en Europe un suffrage universel. Pero también, dans un suffrage universel féminino, la première vez que la mujer en España tiene derecho a voto. Pour celles et ceux qui ne savent pas, en France, les femmes disposent d'un permis de chèque depuis les années 70. C'est récent, même en France. Esta república es progresista, en el sentido que ofrece el suffrage universal y el derecho femenino, permite también el matrimonio civil, porque hay un gobierno que no parece,
qui est l'autre à soumettre. Nous restons très pédagogiques. Vous avez vu le roi, ils sont partis en exil à Barcelone, ils sont partis en exil à Barcelone. Mais pour le moment, c'était un chef de la République qui le change. Un chef de gouvernement, un premier ministre, l'information de ce pouvoir exécutif. Et puis, il y a le corps judiciaire. Le corps judiciaire qui garantit sa liberté. Il y a fait tout nommer deux choses. Existe en Espagne la tension territoriale pour algunas zonas, como Cataluña o País Vasco, entonces esta constitución da un cierto régimen de autonomía, de voluntad de descentralizar un poco, el poder central vers des régions très riches, que son des régions industrielles. Là où se sont concentrées l'industrie, on l'a vu la dernière fois, c'est la révolution, la Catalogne et le pays. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette constitution? C'est une constitution libérale. Est-ce une constitution libérale? Est-ce une constitution progressiste? En le sentido en que da derechos nuevos, qui va dans le sentido del progreso. Et puis, c'est également une constitution d'inspiration fédérale. Quand on concibe l'État une seule voie, considère l'État comme une agrupation. Catalunya forme un conglomérat. País Vasco forme partie d'un conglomérat. Il est compétent. Donc voilà le cas. Donc on voit que en 1931, c'est une rupture importante et on va dire que c'est l'accomplissement plein du projet libéral qui est mis en place. Et en cela, je retrouve ici dans ce projet d'élaboration de ce texte tous les théoriciens qui ont participé aux discussions du passé sur ce qu'est la révolution du monde. Donc, c'est une rupture. C'est une rupture qui va dans le progrès. Niceto Caratagora, el nuevo presidente de la República, va a nombrar una persona importante en la historia de España, que se llama Manuel Azaña. Manuel Azaña, lo veremos después, se ha enterrado en Francia, se ha enterrado de Montoro. La candidatura de 2019, el chef de l'Estado, que me lo ha dado por la ciudad, por fuera de la República. Y se ha que Manuel Azaña, et donc il y a un autre nom, il y a des locales d'associations de connaissances et de mémoire, où les hommes, dont beaucoup de membres de cette université. Il sera à commettre, même la fin, une réforme agraire. Le pilier du projet de la Constitution, du projet libéral, va être la réforme. Autrement dit, ce que l'on a vu dans les textes émerger dans le texte de François Carriole, en TD, c'était à servir de base à un projet plus global de réforme agraire, c'est-à-dire de répartition des terres. Et vraiment, ça avantage qui vont être les lésés dans cette histoire, qui vont être les principaux. Touché par cette révolution. C'est-à-dire, ça va être l'Église qui n'est plus au cœur de l'État. Ça va être l'Église qui voit dans la décentralisation quelque chose de contraire à l'idée de nation. Le progrès, le projet général de 1931, était plutôt le projet des nations. Et pas d'ailleurs, la Constitution espagnole, hein, des nations, d'une nation. C'est aussi possible. Et puis, qui va être touché par la réforme nouvelle?
le premier thème. Donc on voit là se configurer dès le départ les trois secteurs, on va dire, qui ne vont pas regarder d'un bon œil l'évolution de cette société, l'évolution de ce projet de guerre, puisque ce projet va au contraire et contraire. Et au niveau des chefs de la République, la méconnaissance de la politique de la République, la politique de la République, et nous les connaissons par des confiscats, la pièce. Qui a la faculté d'accabar, connaître la coutume, de grandes propriétés terriennes entre les mains de l'État. Donc l'État, de la même façon que l'État vous a servi d'ailleurs dans un pays, et bien, il, façon c'est plus la mode, il se donne également la capacité d'exproprier, sans pour autant nier l'existence de la propriété privée. La propriété privée d'un droit dans la propriété privée. La lei, la réforme agraria, prevede nel 1932 da accesso alla terra a unos 60.000 proprietari all'anno. Il progetto di Faber e consiste in un progetto per dare terre a unos 60.000 campesinos che non tienen terra. 60.000 annuali. Il s'agit progressivement de détruire du côté la concentration à l'air et d'offrir, de confisquer une partie des terres de l'humanité aux gens qui n'ont pas. Et de créer en quelque sorte, une, notamment dans le sud de l'Espagne, eh bien, une communauté qui ne vit plus dans la pauvreté, mais qui vit de la terre, de parcelles de terre. Desde la programación de esta ley agraria, existe en España un riesgo, es decir, desde 1932, de golpe militar. Desde 1932, existe la menace d'un État militaire. Ce que dit l'État militaire, le premier qui n'a pas marché, il a été proposé par le général Sanfourco et qui voyait dans les réformes mises en place bien l'inverse de ce que les militaires pensaient de bien pour la nation et notamment pour les grands églises, les grands parlementaires. Mais de l'autre côté, du côté des anarchistes, du côté des mouvements de gauche, voire d'extrême gauche, du côté des marxistes notamment, eh bien, ils ont considéré que cette réforme n'allait pas suffisamment vite. C'est pas 60 000 paysans et même qu'il faut, c'est beaucoup. Et donc, déjà, le secteur, c'est va créer une tension entre los que están en contra de la réforme agraria. Y los que consideran que no va, no es lo suficiente. Y esas années que vont suivre entre 1932 et 1939 vont mettre en avant cette tension entre ceux qui estiment que ce projet libéral est contraire aux valeurs traditionnelles, à l'idée de nation, ça c'est une injustice. Et puis, il y a les marxistes qui disent non mais ça va pas, il va bien falloir aller beaucoup plus vite. On est en train de mettre en place un État libéral, mais surtout bourgeois, et on ne prend pas en compte ceux qui n'ont rien. Quels vont être les principales
travail, c'est-à-dire de faire en sorte de diminuer, pour éviter qu'il y ait des familles faire, de diminuer l'influence du ministère au Parlement, au pouvoir, supprimir la enseignanza religiosa, por lo menos su carácter obligatorio. Crear una red, la réseau, perdón, una red, la réseau de escuelas que no sea religiosa. Se prevé la creación de 6.000 escuelas, de 7.000 puestos de trabajo para profesores. Se aprueba una ley de culto, de libertad de culto, es decir, que se aprueba la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. Estas normas van a crear un malestar entre los conservadores. Porque esta ley, estas leyes progresistas van a crear un malestar, no solo en el campo, en el bando de los militares, pero también entre los conservadores. C'est important ce mal-être qui va naître dans le secteur conservateur, notamment, et religieux, de ces réformes. Pour celles et ceux qui représentent le camp conservateur, bien, c'est quand même un coup d'épée dans ce que j'ai à garder. À démarche de la réforme agraria, il y a une réforme sociale et sociale. Será reforzar las condiciones del trabajo. Se va a limitar las horas de trabajo allí, a otro. Y se va a controlar, o va a hacer la política, o el impuesto fiscal. O va a controlar sur ces grandes terres, y bien, les conditions de travail, les travailleurs, les journaliers, les petits paysans ne travaillent plus à la solde d'un grand propriétaire, plus de 8 heures par jour. Voilà pour le cadre de ce débat. Donc qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on retient de ces deux premières années? On retient de ces deux premières années une tension entre ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui sont les autres. Diffuser, parce que ce sont un droit global, général. Vous comprenez ce que ça signifie? Vous ne comprenez pas, vous êtes en droit, mais vous ne comprenez pas. Ça peut aussi vous ennuyer. C'est probable. Pourtant, ça me concerne. Ça me concerne parce que si ces normes, les normes dont vous avez pouvoir bénéficier, sont bien saisies. Parce qu'en France, le populaire aura la même attention. Et puis, cette réforme, donc, on l'a dit, c'est cette réforme qui est la réforme. La réforme agraria fondamentale, et encore, c'est le cœur, c'est pour ça qu'il y a des introductions sur la transformation agraire, c'est le cœur du projet républicain, une réforme territoriale. Alors, une réforme territoriale qui veut reconnaître la décentralisation active des deux régions que sont la Catalogne. Desde 1931,
1931, los marxistas, los anarquistas, quieren, no quieren una revolucionaria. De la misma manera que los fascistas no quieren una revolucionaria, los anarquistas, los marxistas quieren ir más allá de esta revolución. Y van a intentar, pues, hacer lo que teorizó Marx, es decir, una lucha de clase. Van a aplicar el proyecto marxista. ¿Cómo? Con huelgas para mejorar las condiciones de trabajo y promover ya una especie de insurrección armada. El gobierno liberal va a reprimir, va a reprimir de forma violenta las manifestaciones, principalmente en Cataluña. Donc, l'État libéral ne va pas autoriser, il a obtenu le soutien d'un secteur de l'extrême gauche, il ne va pas tolérer non plus le désordre, il va intervenir. Donc, on voit encore que la chose est assez simple, c'est qu'il y a de l'attente de la société espagnole un régime de violence. Un régime de violence, alors là vous avez l'image du général Sancho, et de lo que sera después el dictador Francisco Franco en Marruecos, que van a encarnar el malestar de la gente. En 1933, donc après la première personne, après le premier temps probatoire, à partir de 1933, donc ils vont être, vont avoir lieu des élections. Des élections qui vont donner le pouvoir à la droite. On va faire la confédération des élections. Qui va à intentar esta confédération de derechos limitar el alcance de las reformas, es decir, limitar las reformas realizadas entre 1931 y 1932. Y se va a producir insurrecciones principalmente en las zonas industriales. La principal tendrá lugar en Asturias, la organización de Asturias, en 1934. En 1934 se va a provocar una insurrección que necesitará la intervención del Estado. ¿Y quién va a reprimir esta insurrección de campesinos? Será el general Franco. El general Franco va a intervenir por el apoyo de gobierno de derechas en lo que será un baño de sangre, con 1.300 personas muertas y 30.000 detenidos. Los gobiernos son confiados, ya se confiaron en el mundo, en la revolución de las civiles, junto con el sistema de la Comunidad de Europa, y la Comisión Justa de Reformas. Et ça va se terminer dans un même sens. Un même sens qui va rester dans l'univers politique, dans l'imaginaire politique. On dirait même pour certains que
guerre civile espagnole commence en 1936. La guerre civile, c'est pas 36, c'est 34. En effet, en 1934, c'est l'État organisé par donc, à partir de 1934, en Espagne, il y a un climat d'insurrection de Germanin. Donc, 1934, il y a les vols du trafic. Vous avez là donc, une image d'arrestations massives par l'armée, de détentions, et pour celles et ceux qui ont une curiosité, vous avez également un reportage de la dernière étude que vous pouvez consulter, qui explique le trauma toujours actuel de cette. Digamos que el proyecto de la derecha no es más que acelerar el proceso de desarmamiento de la reforma. Es decir, se trata de volver hacia atrás. Y se va a intentar derogar. Se va a intentar derogar todas las leyes del primer gobierno socialista. Entonces, voilà, un climat qui est donc adjoint de 1933, après le 34, on va refaire, on va défaire tout ce que l'on a fait pendant 3 ans. Es más, vamos a pedir a los grandes propietarios recuperar la tierra confiscada. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les lésés du projet de réforme des agricultures de 1931 vont retrouver dans le gouvernement de droite une forme de récupération des privilèges qu'on leur avait enlevés. Y es cuando los dos bandos se van a armar. Se van a armar y se van a preparar para posibles intervenciones. Los dioses de la derecha se va a transformar en una nueva extrema derecha, o más bien se va a radicalizar. Se va a radicalizar. Y a través de dos figuras, principalmente Ramiro Ledesma, se va a crear por primera vez un partido fascista en España. Un partido fascista que se llamará Faranja Española Federajos. Faranja Española. La Faranja. Por primera vez en España existe un partido fascista. Un partido fascista que va a intentar, pues, obtener
los votos de los descontentos. Entonces, un gobierno, c'est-à-dire une faction qui essaie de naître sur le mal-être des désirs des réformes sociales. Dans ce climat d'insurrection, dans ce climat de tension, dans ce climat de fascistisation de la société espagnole, eh bien, vont naître, pour avoir eu des élections, les troisièmes élections, que va la créer l'existence d'une frente populaire, de front républicain. Donc, 1931-1933, j'ai un gouvernement de gauche qui instaure des réformes militaires, religieuses, oui, je sais, c'est intéressant. Un gouvernement suivant, 1934-1936, de droite, qui va essayer de détricoter les réformes intérieures, de les défaire, qui va trouver dans la phalange un allié de circonstance, et puis des élections générales en 1936 qui vont donner la victoire à un front républicain pour empêcher une victoire fasciste. En effet, pour la première fois, républicain, socialiste, y moderado será la unión para formar este frente republicano. Las elecciones de 1936 son evidencia, ponen de manifiesto la existencia de dos bloques. De lo que llamamos nosotros todavía hoy en día las dos Españas. Una España progresista y una España conservadora. Con muy poca diferencia. Y menos, o menos, el poco que ve es democracia. La más de la Israel, es una victoria parisiana, democrática. Y de nuevo, en la España, es nombrado en 1936 jefe de gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a volver al Estado en 1931. Dicho de otra manera, se va a intentar acelerar la réforme. Donc on a un premier temps. Si vous voulez, messieurs, je vais vous demander un peu de parce que ça fait 40 minutes que je vous demande. Alors j'ai exclu une personne ce matin dans un TV, je ne devrais pas avoir conseillé à l'école. Quand on entre ici dans un TV, dans un TV, on respecte le cas. Sinon, je ne vais pas. Et c'est pas un problème. C'est de protéger l'école, en fait. Et l'université aussi. Alors, on la respecte jusqu'au bout. Si vous avez des difficultés à prendre l'heure, vous n'êtes pas à la fin de l'heure. Et je vous explique. Mais c'est pas pour vous de vous en faire. Et le jour de l'examen, on va rattraper. En 1931, 1933, entonces se produce una fase de aceleración de la reforma. 1934-1936 se produce una fase de contra.
la Reforma. En 1936 se vuelve a producir una fase de aceleración de la Reforma. Avec deux blocs qui ne sont pas mis. Ils sont pas mis. C'est un rapport de force. C'est clair. Donc c'est le climat dans lequel nous sommes en 1936. Un mouvement majoritaire élu, porté par les communistes, les autres, c'est-à-dire les marxistes, les socialistes, qui sont d'inspiration marxiste, et puis les plus modérés. Et puis de l'autre, une droite libérale, monarchique, catholique, et, dans certains cas, fasciste. La réforme de 1936, le Front populaire de 1936, va donc réaccélérer les réformes qu'elle avait mises en place en 1931. Réformes qui vont dans trois sens, militaire et religieux, agraire et territorial. Qu'est-ce que va faire le Front populaire de 1936? Tout simplement, il va institutionnaliser, officialiser la réforme territoriale. Il va lire le plan des éléments. Il va reconnaître la Catalogne comme une nation dans la nation, avec un pouvoir républicain. Il va reconnaître une autonomie fédérale à la Galice et au Pays-Bas. Donc il va aller il va aller dans le sens contraire de ce que les fascistes ont de l'idée nation. Une nation une et indissoluble. Le projet fédéral est antinomique. Va aller plus loin dans les réformes éducatives, va accélérer la réforme de l'éducation secondaire et plus familiale en Espagne. Et c'est la modèle à la sphère à l'os grandes sociétés. Donc on est dans ce climat-là de tension et de réaccélération des réformes. Van a llegar a las manos. Esas tensiones van a llegar a un golpe de uso. Es decir, que los militares se van a aprovechar de las tensiones para intervenir. Para intervenir, pero ya como lo pensaban hacer en 1932. Le coup d'état militaire de Franco, c'est un coup d'état qui aurait pu avoir lieu en 1935, en 1933. C'est un coup d'état qui est méticuleusement préparé, soutenu financièrement par les oligarchies terriennes et par l'Église. On ne s'improvise pas un coup d'état. Et donc, on va voir apparaître une espèce de bulle insurrectionnelle, ou un mouvement touche électoral, incontrôlable con tensiones, revueltas, violencias en todo el territorio, en toda España. Se van a suceder ataques, asesinatos, hacia cualquier individuo que no quiere ser el mismo que uno. Y los fascistas van a utilizar este momento de tensión, de descontrol, para fomentar el descontrol. Es decir, que se va a pasar en España en 1936 lo que pasó en Italia en 1922. Los movimientos fascistas van a crear situaciones de violencia callejera, violencia de rue, que fomenten la aceleración de las tensiones. Y de esta forma se va a crear un movimiento fascista que ya antes no existía, un elemento de representación fascista para nosotros. Donc, il faut bien avoir
conscience de ce point-là que le fascisme est né dans une situation de violence et la violence va faire naître des affiliations à son mouvement. Le fascisme naît de la violence, ne peut exister sans la violence. D'ailleurs, le fascisme et le nazisme se basent en grande partie sur les théories de Georges Sorel, qui est un des deux français, au départ proche du communisme, puis ensuite proche du fascisme, qui a théorisé l'état de violence, un état de violence permanente. C'est ce sur quoi vous dites, monsieur Lou, va porter cette théorie. Le fascisme ne peut exister s'il n'y a pas ce substrat de violence et d'insurrection. Je continuerai, je terminerai la fin de cette séance la prochaine fois. Je ne veux plus dans cette séance. Nous n'avons que 12 séances ensemble. Je ne veux plus de moments comme aujourd'hui. Si vous venez en cours, si vous avez des difficultés pour prendre des notes, vous le dites. Mais je ne veux pas le pouvoir à la permanence parce que vous empêchez celles et ceux qui ont envie de réussir de le faire. Et ça, je ne pourrai pas le faire. Ha ha ha.